Sous les ordres. Et on va organiser la cloche pour le dernier tour, bien sûr. Les voilà partis pour ce prix Runmills. Et ils sont bien partis tous en bon paquet. Ils passent devant vous et comme d'habitude, on vous demande tout simplement de les encourager pour ce premier passage. Merci, c'est Devon Finestra qui a pris l'avantage pour passer une première fois devant le poteau d'arrivée qui sera tout à l'heure. Fouque de Derry côté card, numéro 4 pour l'entraînement de François Nicole. On retrouve également tout près, c'est l'entraînement de Thierry Rocher qui est d'ailleurs au commandement puisque c'est numéro 3. Côté corde, on retrouve également l'entraînement de Gilles Chaignon. C'est Cutie Fuel associé à Clémence Brunetti qui est dans ce peloton de tête. À l'arrière-garde, on retrouve également l'entraînement de Pascal Journiac. Il me semble qu'il s'agit du numéro 7, Good Fever. Et c'est toujours donc le 3 qui a l'avantage avec Tom Pochet ici pour Thierry Pochet, Devon Finestra qui a l'avantage alors qu'on vient avec le dieu Cutie Fool qui est en deuxième position. On est en troisième position avec Junia Pat devant la Kazakh Vielle. Le François Nicole est en quatrième position. Figuedou Derry, il est à mi-peloton également devant le numéro 9. C'est la Kazakh Journiac de Torah John avec une toque verte pour le différencier de son compagnon d'entraînement qui vient maintenant le numéro 7, Good Fever, juste à son intérieur avec Corey Valif. Qui dit bumper dit tradition britannique. Jason, en anglais, ça donne quoi? Just leaving the end of the back straight now for the first time and looking towards the back of the field up front. There's not much change, but out towards the back of the field, the number 6 is making a bit of ground around the outside. That's cap-like for the yard of Pierre Fertier, ridden by Frederick Lundberg at the back of the field also. Not too detached, but taking her time at the back of the field is Gaëtan Hurstel on Frick Froid for the Emmanuel Kaye team. Gaëtan Hurstel, of course, she won the Trophy de Personnel at Godolphin in 2016. It's very good for her to ride in this race as well for the Cavalier de Tremont as it passes the stands with another complete circuit to go. Il reste en effet un tour de course avec le numéro 3, Devon Finestra, qui a pris l'avantage depuis le début pour l'entraînement de Thierry Pochet. Et c'est Tom Pochet qui a l'avantage. Dans son sillage, on retrouve la Kazakh Chaignon. C'est Cutie Fool, le numéro 2, pour Clémence Brunetti, qui lui est associé. On essaie de se rapprocher également tout près avec les Kazakhs Journiac, Good Fever, mais aussi Torayon. Et puis au centre, le numéro 1, On the Moon, qui va tenter de se mettre sur orbite dans quelques instants. Et toujours le Pochet en tête, Devon Finistra qui a l'avantage devant le numéro 10, c'est la Kazakh Linders avec Junia Pat qui vient également, Cutie Fool est là et tente de venir. C'est le Nicole maintenant qui fait mouvement, qui accélère le long de la corde. Il s'agit de Figuedou Derry, l'as Kazakh Vialon de Mounet au milieu du peloton. On aborde bientôt le dernier tournant avec toujours le numéro 3, Devon Finestra, qui est le grand animateur de cette course et qui est attaqué maintenant à son intérieur par Figuedou Derry. La dernière ligne droite qui approche, nous sommes dans le dernier virage et ça s'annonce très serré et très spectaculaire avec Devon Finestra qui a l'avantage. Côté corde, le numéro 4, Figuedou Derry. On essaie de venir en dehors avec cette Kazakh rouge et le numéro 2, Cutie Fool. On a essayé de se rapprocher également avec l'as On the Moon et c'est bientôt la dernière ligne droite. Et numéro 4, Figuedou Derry va tenter de prendre l'avantage maintenant pour filer peut-être au poteau associé à Steven Catineau. François Nicole en a jeté sa casquette. Photo entre le 4 et le 7. Good Fever a très bien fini. La victoire certainement pour Figuedou Derry devant le numéro 7, Good Fever. Et on va se tourner vers notre juge à l'arrivée. Alors attention là, il y a grande pression là.